Allez, c'est parti pour cette 11e partie. Putain, ça fonctionne avec ce micro de merde. C'est pas un micro de merde, mais ils ont dû quand même mettre une mousse pour. Voilà, c'est bon, je l'ai bien placé. Hein. C'est quoi ce bruit là? Voilà, avec notre ami Gérard. Gérard. Et puis on va commencer. Et puis voilà, je sais plus où il faut aller maintenant. Bon, voilà, si je sais peut-être. Alors voilà. On va le faire ça. Non. Candulis. Non. Novak. Casse. Alors, on va aller vers l'usine d'électricité. Je sais plus comment c'est le nom. Hein. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est une usine solaire. Et on va la réactiver. En train d'enchaîner les quêtes annexes là. D'accord. Oh, et le chien il a poussé le bidon là. Enfin, en même temps, c'est tellement bidon. Bidon. Oh, je peux le prendre. Waouh. Je sais pas si je le lance. Il y a quelqu'un qui est sorti ou. Ah, oui, il y a la vieille. Tiens. Cache-toi. Cache-toi. Ok, je peux la mettre dedans. Vous croyez que je suis en train de faire de mon toit? Je suis à 42 dedans là. Je le lâche. Là. Merde, putain, je vais la foutre dedans, oui! Putain, je vais plutôt essayer un avec lui. Ouais, mais il est pas droit le bidon là. Allez là, mets-toi droit aussi toi. Non, pose-le, voilà, je vais le prendre comme ça plutôt. T'as le mec qui fait une vidéo juste pour prendre un bidon pour essayer de le mettre sur la tête de quelqu'un. Putain, on les cacher. T'as honte de moi. Ouais, enfin bref, on s'en fout. On va pas s'amuser pendant 30 minutes à s'amuser avec un bidon là. Ouais. Voilà, l'usine c'est là et elle s'appelle l'usine. Réco, je crois que ça s'appelle. Non, non, Réco c'est dans le jus de raid, je crois. Ouh, la belle antenne. Avec mon arme là. Et mon petit extraterrestre. Mars attaque. Mon ovni. Objet non identifié en approche. Veuillez reculer de 2 pas avant d'atterrir sur la piste municipale. Ouais, j'aurais pu travailler dans une tour de contrôle. Hein. Bonjour. L'accès à ce secteur est restreint. Mais je m'en fous. Me taper une. J'ai vu que cet endroit au loin, j'ai voulu savoir ce que c'était. Voilà. Ou alors vous espionnez pour la Légion et essayez d'entrer ici. Oh, mais comment t'as su, merde, je me suis fait avoir. J'ai une grosse. J'ai remarqué que la tour a capté beaucoup de rayons, je peux arranger ça. Inutile. On a déjà un expert qui s'en. Ouais, mon cul. Ceci dit, notre expert est un crétin. Je me demande même si c'est pas un saboteur. Il n'y a pas que lui, hein. J'imagine que vous ne pourriez pas faire pire. Demandez-lui de vous donner les détails. Il est au fond du bâtiment. Vous saurez que c'est lui quand vous le verrez. Il garde ses lunettes de soleil en permanence. Même quand il dort. Quel cinglé. Grave. Ok. À plus tard. Salut ma poule. T'es une meuf toi aussi, hein. En fait, y'a que des meufs ici ou quoi là? Non, y'a un mec. Ah, quoi que. T'es un mec toi? Non, c'est une meuf ça? Oh. Patrouiller dans le Morave, ça donne parfois envie qui déclenche un bel. Putain, le chien, je sais pas ce que tu lui donnes à bouffer, mais. Waouh. Voilà quoi. Mon dieu. Toi t'es une meuf. Toi t'es une meuf. Toi t'es un mec, je parie. Patrouiller dans le Morave. D'accord, ok. Alors je suis dans le paradis des hommes. J'ai un endroit où il y a que des meufs en fait. Et attends, je suis le seul mec. Pourquoi il me saute pas dessus là? Normal quoi. Eh les gars, les filles, oh y'a un mec, y'a. Ouais, il devrait me sauter dessus là. Me faire des clins d'œil ou faire passer des messages subliminaux. Genre la machine à café, elle est cassée, il faudra la rebourrer. Hello. Encore une meuf. Ouais, vas-y. J'aime pas les meufs à lunettes. Bon alors, il faut que j'aille voir à qui là. Oh, je passe par là en fait. Hop. Mais il est partout lui.
Il y a un train ou quoi ici là. On va voir le scientifique là, qui se prend pour Manny Black, avec ses lunettes de soleil là. Comment rester coincé dans la jungle? Non, 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 non! Non, non, c'est pas possible, je vais pas rester coincé là, ouais, j'ai eu peur, j'allais dire. Là. Non, c'est pas possible, Fred n'aurait jamais coincé dans un jeu. C'est quoi ça? Des lunettes, des... Ah, je crois qu'il est là, normalement. Hello! Comme ça pour rien. Oh, il y a un lit. Ouais, bon. On va dormir. Hey, salut. Ah, ça m'est. Vous êtes qui, vous? Je suis ton père. Non, pour t'enculer. Oui. Du calme, je ne suis pas là pour vous remplacer. Ça, non, alors. Pourquoi le voudrait-il? Personne m'arrive à la cheville. Il me faut juste du temps. Genre. Rien n'arrête fantastique, très. Quel genre de boulot vous faites? Eh ben, c'est moi qui commande. Tout ce chantier dépend de moi. Pas de fantastique, pas de courant. Toute la RNC me bouffe dans la main. Eh ben, si on a du courant, c'est parce que le mec qui dirige tout ça, c'est fantastique. Mais les miroirs à l'extérieur sont mal alignés, alors le rendement ne dépasse pas 1%. Et il y en a qui trouvent ça insuffisant. Le problème, c'est que la plupart des commandes sont pas ici. Elles sont dans la tour. Et elle est protégée par une sécurité d'avant-guerre qu'un crétin de la RNC a activée en arrivant. Deux types sont morts, et plus personne n'y va. Ils veulent que je fasse une omelette, mais j'ai pas le droit de toucher à leurs œufs. Vous me suivez? Non. Comment faut-il faire pour réorienter les miroirs? Il y a deux terminaux à l'extérieur. Ils contrôlent les miroirs. J'ai essayé de les manipuler, mais ça a pas donné grand-chose. Il faut les faire causer avec l'ordinateur central, dans la tour. Et continuer de là-haut, je suppose. Mais ça a l'air logique, non? Eh, vous avez pas l'intention d'aller là-haut, si? Eh bien, si vous vous retrouvez devant l'ordinateur central, pensez à envoyer le courant au bon endroit. Il faut le balancer vers le strip et vers McCarran. Parce que je touche une com, par kilowattheure, mais je sais pas ce que ça veut dire. La RNC veut que le courant aille là-bas, alors moi aussi. Mais vous savez, si vous le faites, je glisserai un mot pour vous. Devenir l'aide de Fantastique, c'est déjà le début de la gloire. Tenez, vous aurez besoin de ça. C'est le mot de passe de l'un des terminaux extérieurs. Il était écrit sur le mur des chiottes. Ok. Faut le faire quand même pour écrire un mot de passe sur les murs des chiottes. Il est... Ah, t'es qui, toi? On voit rarement de nouvelles têtes ici. Vous êtes soldat ou scientifique? Je suis... je m'intéresse à ça. Hein. Dans ce cas, ça nous fait un point commun. Avec qui travaillez-vous en général? Vous avez raison, pardon. Le crétin d'à côté me tape sur les nerfs. D'habitude, je préfère m'amuser, moi aussi. Mais je continue à me passionner pour mon travail, sinon, je serais pas là. Je fais partie des disciples de l'Apocalypse. Et vous? C'est rassurant, même si les intentions de beaucoup de gens qui ont déclaré la même chose étaient loin d'être pures. Mais si vous dites la vérité, écoutez mon conseil. Cette installation recèle des dangers dont aucun de ceux qui s'y trouvent n'ont la moindre idée. Prenez garde à ce que vous faites ici, et à qui vous prêtez l'oreille. Certaines choses méritent de demeurer enfouies avec le reste du vieux monde. Pigé. Au revoir. Bon, qu'est-ce que je dois faire en premier, moi? Non, je trouve toujours de boutons. Se connecter à l'ordinateur des centrales Helios. Se connecter à l'ordinateur. Ouais, ouais. D'accord, t'as une flèche qui va là et une flèche qui va là, de l'autre côté, ça fait que. C'est quoi les. Mettez l'ordinateur central pour partir terminal de quoi. Ce côté ah d'accord, il faut que je me connecte d'abord à celui-là et ensuite à l'autre en gros. La première.
C'est quoi qui fait ça? Ah oh, oui. C'est le soleil sur les panneaux solaires. Alors. Non. Ah, il est là. Ah, je me disais, c'était qui, les gars? Je suis avec leur chien. Putain! Oh! Mais les gars, là! Je suis venu en ami, là! Je viens de Mars, putain, avec mon coéquipier, là. C'est mon traducteur. Connard et flingue. Alors, réanimation de la connexion d'ordi central. Ok. Enfin, ça se fait. Archive en cours. 14h, les techniciens d'un. Comme si j'avais déjà envie de dire. Visite à venir. Non, non, on s'en fout. Voilà, bah ça c'est fait. Une bonne chose faite. Putain, je les ai même pas clés. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment avancer, mais. Vraiment. En marchant, à me dire. Non, marcher prudemment, parce que voilà, là, je viens de me prendre une grenade, un piège d'un ours. Et puis, je viens de me prendre une balle, mais bon. Je crois que j'en ai évité quelques-unes. Oui. Il y a quoi là-dedans là? C'est rouge. Putain, faut que j'aille là-bas. Ah, mais je suis obligé d'aller là, les gars. Continuez à chercher. Vous continuez à chercher. Ah, c'est lui qui parle, j'ai cru que c'était là. Ils ont pas un peu bugué les chiens? Ah merde. Ils ont plus bugué. Vous savez, cette arme, j'ai l'impression qu'elle me sert à rien. Vu les dégâts qu'elle fait, c'est minable. C'est minable, je sais, je me suis pas servi du raccourci, mais bon. Des fois, il faut savoir faire la. Bon, bah vas-y, occupe-toi plus là. Parce que... Tu es à moi. Putain, dégage. Pas que je les aime pas, mais. Une tête. Alors, une. Et là ça le fait pas en fait, c'est bizarre. Ah oui, c'est parce que c'est quand j'ai plus de munitions, ouais, d'accord. J'allais dire, il y a un truc qui va pas là. Très louche. Ça c'est aussi une bonne arme. Que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des dégâts. Une tête en moins. Deux têtes en moins. Ah non, merde. Oula. Oula. Normal. Yeah, vas-y, olé. Bon, putain, arrache. Hop, ça c'est fait. Ah, mais j'ai le mot de passe, ça. Non? Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc, là. Mot de passe, blablabla. Mais, ouais, mais je peux pas. Ah oui, hein. C'est marrant, eux. Il faut quoi? Il faut un pourcentage de 75% là pour science. Et comment je fais, connard là? Putain, l'arnaque. J'ai un mot de passe, mais il me sert à rien en fait. Oh. Attendez, je vais faire un truc. Non, de toute façon, je suis sûr que le mot de passe là, il est pas pour. Ah oui. T'es scientifique toi? T'as un pourcentage de 70%? Je pense pas. C'est quoi ça déjà? C'est quoi toi? Comment tu oses me parler? Tiens, toi, tu vas rester fermé. Toi. Reste ici, toi. T'es puni! Il est malin, il s'est ouvert une porte. Bon, bah, en fait, bon, tant pis, hein, je pourrais pas la faire vu qu'il faut avoir un pourcentage de 75% en science que je n'ai point. Ça fait que, voilà quoi, on s'en tape. On tape la rouille, on va comment rentrer dedans. Voilà. On va aller de là, tout. Chier. Tu fais chier, frère, tu fais chier. Sunset. Bon là il y aura beaucoup de robots à faire exploser. Waouh, les villes ils sont invisibles, c'est pas possible. Il va pas, tu vas te faire tuer, va te tuer. Ah, une tourelle. J'ai l'impression que la tourelle je vais pas l'avoir beaucoup. Je fais aucun dégât. J'adore. On va prendre le grenade. On voit que ça passe dans le trou là. Mais genre, il y a mon PA qui est plutôt assez. Oh bah il est, c'est bien. J'adore ce mec là. Et il fait des dégâts. Voilà, il a tué un. Wow, il les a tous tués. Peut-être que j'allume ma lumière parce que s'il y a une mine par terre. Oh, toi, tu vas mourir.
Un point, vas-y, je te le laisse. Merci. Ah, mais allô, quoi. Ok, là, c'est bon. Ouvrir porte. Ah, c'est ce que je pensais, il y a des mines ici. Je me rappelais de ce truc-là. Bon, les mines-là, ils sont pas activés, normalement. Putain, ils sont activés, là. Putain, je viens de me faire défoncer, là. Putain, j'ai failli crever. Putain, j'y crois pas, là. Non ! Ça va ? Il va prendre lui, lui. Putain, mais quelle idée de mettre des mines aussi, là ! De connard, là. Facile. Comment je fais ? Ah, non, mais ça, c'est trop tard. En fait, ça, c'était pour désactiver les toiles. Enfin, quoi que. Si y en a encore des toiles, je peux les... Oui, allez, là. Fais pas 2 heures après, là. Là, c'est comme l'autre fois, il faut trouver le mot de passe. Ah bah ben, voilà, je l'ai trouvé. Mais ça, c'est... Moi, je fais ça à l'arrache, et là, on peut voir que j'ai eu de la chance. Au deuxième coup, c'est passé. Saisir un mot de passe. Oui, c'est bon, j'ai saisi le mot de passe. Attention à pas donner des designs. Désactiver le système tourelle. Information système. Ouais. On va désactiver, on va voir sur le système tourelle. Je les ai désactivés, même si trop tard, on les a niqués. Une clé. Ah, mais il y a une boîte de munitions ici. Je prends. Bon. Faut que je me soigne là, parce que je me suis fait bobo là. On a dit plein, le petit bonhomme. Voilà. No job, connard. Ça, c'est fait. Même la main, il faut parce que. Voilà. Allez, écoute. Allez, c'est parti. J'ai eu peur que ce que je fais, ça me sert, que ça sert à rien, vu que... Je sais pas si ça me sert, ça. En même temps, je pouvais les prendre, vu que c'était... Vu que ça pèse pas de poids. Je pourrais toujours les revendre, au cas où. Hein. Pour me faire de la thune. Ok. Comme j'ai pas pu me servir de l'autre ordinateur, j'ai peur que... Que ce que je suis en train de faire ne sert à rien en fait, que je vais rester bloqué en fait. Oh, une petite voiture. Balle de calibre 20, ok. C'est quoi ça, c'est livre. Ok. Ouais, c'est ce que je disais, je pense, maintenant. Ok. Des casiers. Une clé, je sais pas quoi, des marteaux, je sais pas, une case à outils. Ouais, mais on peut aller aussi en bas. Je vais d'abord aller en bas pour voir. Oh, il y a un truc ici. C'est quoi ça? Une machine à écrire. Ouais. Des téléphones. Des vieux téléphones, regarde ça. Des vieux téléphones, ça. C'est le téléphone de ma grand-mère, ça. Ah, pour s'en payer. Regarde, c'est les vieux téléphones. Bon. Ah, en fait, c'est juste une petite... Hein? Ouais, il y a un passage secret ici, hein. Je le sens. Je ne suis pas stupide. C'est quoi ça? Ouvre-toi, toi. Prenez garde. Ici, il doit y avoir un passage secret. C'est OG. C'est quoi ça? Un sac? Pour si jamais. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur cette étagère? Rien. Rien. Est-ce que je peux le faire? Mais genre, là, je peux même pas le faire, putain. Je sais qu'il y a un passage secret ici, hein. Comment l'ouvrir, le passage secret? Comment on fait pour ouvrir le passage secret? Regardez ça, là. C'est quoi, ça? Ouvre-toi, toi. Bon. Ok.
Ok, bon bah visiblement, je suis un peu bloqué ici. Au moins que je peux aller là. Y'a rien ici, hein. Non, non, non. On va passer par les espèces d'égouts là-bas pour voir où ça mène. Après, si on peut plus rien faire ici, bon, on pourra. Ouais, quoi. On peut rien faire ici. Ah, d'accord, ça mène nulle part ici. Il y a une porte. Je regrette, monsieur, mais je suis dans l'obligation de recourir à la porte létale. Ah ouais d'accord, j'ai même pas cru qu'il y avait une porte derrière moi. Putain, il nique tout. Peut-être prendre une autre arme, parce que... Si je lance la grenade après lui, ça va le tuer. Et je n'aurai plus d'amis. Et ça va où ça? Pas de mine, si vous voulez. Mug. Voilà, seringue vide. Pourquoi j'ai pris des seringues vides, moi? La ferraille. Tu fouilles ça? Oh, il y a une sautette. Une sautette. Voilà. Désolé, je... C'est vrai que c'est un jeu où... Où je peux dormir. Oui, ça m'avait étonné. Ça m'aurait étonné. C'est une hache! La classe! Il y a une hache, les... Ah non, c'est un balai! Putain, faut vraiment que je m'achète des lunettes, moi. Putain. Je commence à m'énerver. J'ai mis une bonne idée de m'énerver. Yeah. La pieuvre. Gutsy! Ah, on voit même les cartes jouer. Hein. Voilà, deux balles. Alors le truc en bas à droite là où il y a écrit état, c'est l'état de votre arme. Là on peut voir que je suis que l'état elle est un peu un peu bas. Et quand la jauge elle est plus pleine, bah, ça veut dire que ton plus la jauge n'est pas pleine, plus l'arme elle est de mauvais état. Et si elle est plus pleine du tout, bah, voilà quoi, vous pouvez plus l'utiliser vu que l'arme est cassée. Mais vous pouvez toujours la réparer en faisant augmenter vos compétences de réparation. En fait, on arrive mieux à avancer. Quoi, réparer n'importe quoi. Voilà, ça va me donner des compétences de réparation. Mais ça me le fait sur le coup ou Ah ouais, mais ça diminue mes descriptions. Je sais pas ce que je voulais faire. Faut aller où? Ah ouais. T'as pris un couteau gros, t'as plus de balles. Et moi si j'ai pris un couteau, il a plus de balles. Je regarde toujours du mauvais côté moi. Oh j'allais récupérer peut-être pas. Salut Bobby. Quoi? D'accord. Ouh. Explosé, comme un pétard. Wow, le bruit que ça a fait dans mes oreilles, c'est tombé. C'est pas sûr que je tiens, mais... Tu veux pas de bois, gros. Ah bah si, il a encore une arme. Ouais, le mec, il fait des one-shots. Des one-shots que ça, quoi. Je sais plus comment on dit ça, mais... BAM! On les a carrément défoncés, défenestrés, démembrés, etc. etc. Il y en a encore plein des mots pour exprimer mon ressentiment vers la sécurité. Je n'aime pas. D'accord, alors pourquoi se poser? Ah, il y a une clé, on s'en fout. Des soins. Hop. Seringue vide. Je m'en fous des... Ne me demandez pas à quoi ça sert les seringues.
Je n'en ai aucune idée. C'est vrai que j'en ai. Il y aura des mines si je le sens là. Putain. Ah, le crochetage, je vais le mettre à fond. Hein. Parce que j'en ai marre. Hein. Ça peut me casser les couilles. T'es quoi, des graines de courge? Eh ben, va courger ailleurs. Il y a plutôt des balles. C'est une porte, ça. Ascenseur vers niveau observation des... Hmm. Ouais. Bon, on va y aller. Nanana. Ah, il est là. Bon, voilà, ça c'est le gros ordinateur pour activer ce truc là. Activer l'ordinateur. Non. En fait, il faut relier. Parce que là, l'alimentation elle n'est pas. Mais on va voir dans. C'est quoi ça? Je crois que non. Le câble il est. J'ai plus le câble. Cartouche, non. Quoi ça? C'est juste un dé, hein? Ouais, bon. Il me faut un câble d'électricité, il me semble. Je prends. Ah, peut-être d'aller avec cet outil. Ruban adhésif. Ouais, ça va me servir. Térébenthine. Peut-être. Je sais pas à quoi ça sert la tirabotine, j'en ai jamais utilisé. Parce que peut-être à réparer des armes ou à faire des armes. Je ne sais pas. Bière, cocktail, scotch, vin, whisky. Eh ben dis donc, il y a de quoi faire la fête ici. Merde, il n'y a rien dedans. Ça sert à rien que je fouille. Bon bah là aussi, hein. Bon bah attendez, je vais voir un truc. Alors, l'ordinateur central ne répond pas. Pour l'instant, le terminal a l'air de ne pas être suffisamment alimenté. C'est ce que je dis. Rétablir l'alimentation de l'ordinateur central des virus. Ouais. Là, on peut voir. Mais normalement, je dois prendre le câble. C'est pas le câble là qu'il faut que je prenne? D'accord, pas de panique. Attendez, je vais regarder dans mon plan. Ça sera peut-être mieux indiqué. Alors, ah bah si, voilà. D'accord, il y a une porte là. Mais il y a une porte là, c'est pour m'indiquer quoi? C'est pour indiquer. Ouais, mais là, je peux pas aller vu que l'ordinateur, je peux pas y aller. Bon, bah, je pense que non. Que hop, activer le générateur, non, rien faire. Concentrage à équipe, réparation. Oh putain! Réparation 35, mais ils font chier là! J'ai combien en réparation moi? Ouais, en fait. Bon bah, cette quête on pourra pas la faire parce que ouais, il faut avoir des pourcentages en réparation, en science, en tout putain. Et là j'ai tout qui est bas, c'est le début. Hein. Alors, armes, crochetage, explosifs, réparation, tout ça. D'accord, je suis vachement loin, putain. En science aussi, je suis quand même à la ramasse. Bon, ben voilà quoi. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer qu'est-ce que ça aurait pu faire, mais bon, je ne peux pas. Ça fait qu'on va se barrer d'ici. Allez là, putain. Oui, je suis un peu énervé parce que j'aurais bien aimé vous montrer et finalement, ben, je ne peux pas. Ça fait quoi là quoi. J'ai été ici pour rien, j'ai un peu. Cacher du temps de la vidéo, même beaucoup, ça fait quoi là quoi? Parce que normalement, on aurait pu activer l'ordinateur là et choisir entre envoyer de l'électricité dans un coin vers le strip de Las Vegas, on va dire ça, de New Vegas, ou alors vers les bleds de la ville, ou alors activer une arme super puissante qui est dans l'espace qui envoie des rayons, qui envoie des rayons en fait. Voilà quoi. Des rayons laser pour niquer, et là vous choisissez de l'activer pour tuer la RNC autour d'elle, va autour de la base, voilà. Plein de trucs comme ça, voilà. Mais là on pourra pas le faire, peut-être que quand j'aurai assez de pourcentage vers la fin du jeu ou la fin de ce voit-tout, eh ben là je vous ferai pour vous montrer, mais là quand je peux pas, ben voilà quoi, on va s'arrêter là pour cette quête malheureusement. Voilà, et là on est en fait en haut de l'église, j'allais dire, ok, en haut de l'antenne, et on peut même descendre avec tous les panneaux, c'est dommage.
façon, même si j'aurais pu alimenter l'ordinateur en électricité, j'aurais pas pu parce que je n'ai pas activé le deuxième ordinateur de dehors. C'est vrai que finalement ça aurait servi à rien en fait. En vrai, on a été ici pour rien, mais bon, ouais, quoi. On y revient. Quoi? Partir. La console n'énergie pas. Ouais, bah, c'est normal. Bon, voilà pour cette belle vue. Ben voilà, nous on va s'arrêter là. Moi je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures sur Fallout New Vegas. Allez, ciao, bye bye, à toutes.